SCP 2121, les cordes de Dieu, classe sûre. SCP 2121 est une corde de pendu composée d'une variété de tissus biologiques. Le tissu est résistant à toutes les tentatives de prélèvement d'échantillons à analyser, mais semble visuellement composé de ligaments, tendons, portions d'intestin, et d'une seule langue de 1,3 mètre, nouée tressée ensemble, pour former une unique corde, elle-même nouée en un traditionnel nœud de pendu. Les tissus semblent frais et humides au toucher, mais ne se décomposeront ou ne se dessécheront pas, quelles que soient les conditions environnementales. Si SCP-2121 n'est pas utilisé pour pendre un individu qualifié au moins une fois tous les mois lunaires, il commencera à émettre un bruit chaotique, composé de hurlements, gémissements de douleur, et de voix manifestement paniquées dans divers langages non identifiés. Ce bruit s'amplifiera progressivement jusqu'à un maximum de 137 décibels au cours des 24 heures suivantes et ne cessera pas jusqu'à ce qu'un individu qualifié soit pendu à l'aide de SCP-2121. Le bruit a également un effet télépathique et peut être clairement entendu par tout individu conscient, y compris ceux se trouvant dans des chambres insonorisées ou étant sensoriellement sourds, jusqu'à une distance de 1,7 km. Tous les individus croyant activement en une quelconque croyance religieuse deviendront de plus en plus dépendants, tandis que la durée d'exposition augmente et tenteront de commettre un suicide par pendaison dans les plus brefs délais. Si les individus affectés sont au courant de l'existence de SCP-2121, ils tenteront de l'utiliser pour commettre un suicide, même si cela n'est pas leur préoccupation principale. Les individus ayant commis un suicide sans utiliser SCP-2121 ne seront pas sujets à ces autres effets. Les individus religieux ayant eu un contact physique avec SCP-2121 se trouvant hors de portée de ces effets actifs subiront les mêmes effets à un moindre degré, présentant des symptômes de troubles dépressifs divers, avec seulement une légère augmentation du taux d'idées et de tentatives suicidaires. Les sujets qualifiés pendus à l'aide de SCP-2121 resteront conscients en moyenne 3,7 minutes de plus qu'avec l'utilisation d'une corde non anormale et resteront capables de parler pendant toute la période avant la perte de conscience. Les vocalisations sont exclusivement de nature religieuse et incluront des plaintes choquées et désespérées au sujet du décès apparent de la mort de figures divines diverses, ainsi que des malédictions et insultes envers une figure déifiée non identifiée et non nommée, et imploreront la pitié de cette même figure. Les adjectifs utilisés pour décrire la figure déifiée inconnue indiquent une tendance à la jalousie et au châtiment violent. Une fois l'individu décédé, le corps se desséchera et tous les fluides corporels sortiront du corps par les orifices et les pores de la peau. Presque tous les liquides s'écouleront le long du corps pour former une flaque en dessous du sujet et tout le sang coulera le long de SCP-2121 dans lequel il sera absorbé. SCP-2121 a été porté à la connaissance de la Fondation par des représentants de l'Initiative Horizon qui ont déclaré qu'en raison de ses propriétés spécifiques et de la nature de leur organisation, ils étaient incapables de le détruire ou de le confiner efficacement. Ils ont rapporté qu'il avait été découvert près d'un village isolé du nord-est de la Russie, dans un bosquet réputé hanté. Le prêtre local de l'église orthodoxe de Russie s'était révélé complice de l'exécution de criminels locaux à l'aide de SCP-2121. Il a révélé lors de son interrogatoire avoir agi ainsi pour calmer les démons à l'intérieur, pour qu'ils ne consument pas l'âme des villageois, une tâche qui lui avait été transmise par son prédécesseur. Les archives de l'église indiquent que SCP-2121 était présent dans le secteur depuis au moins 1000 ans, soit l'époque de la fondation du village et de l'éradication des tribus païennes locales. SCP-2121 doit être monté sur un simple cadre carré, mesurant 3,5 mètres de hauteur. Une fois tous les mois lunaires, environ tous les 28 jours, un classe D ayant reconnu ne croire en aucune religion doit être pendu à l'aide de SCP-2121, de telle manière à ce qu'il en résulte une mort, par strangulation plutôt que par rupture de la nuque. Les interviews sont autorisées durant cette période et toutes les réponses significatives doivent être enregistrées et incluses dans le journal principal. Une fois décédé, l'individu pendu doit rester dans SCP-2121 pendant au moins 24 heures, ou jusqu'à ce qu'un dessèchement total se produise. Suite à cela, les restes du corps et les fluides résiduels doivent être retirés de la chambre de confinement et incinérés. En plus du classe D possédant les qualifications ci-dessus,
les seuls membres du personnel de la Fondation autorisés à entrer en contact avec SCP-2121 doivent être confirmés comme étant athées, classement inférieur à 5, sur l'échelle de classement standard des croyances et pratiques religieuses, n'ayant jamais été membre d'une quelconque organisation religieuse, et n'étant jamais entré en contact avec un SCP, objet anormal ou groupe d'intérêt possédant un rapport significatif avec la religion ou la mythologie.